En Boisfich, on fait dans l'élevage des poissons d'ours, plus précisément la silure. Nous sommes basés dans toutes les villes du pays. On livre les poissons partout dans le monde entier. Quand on parle de poissons, on parle d'un Boisfich. Je travaille tous les jours en closerie où on croise les poissons. En ferme, vous voyez comme par exemple là, je suis en train de nourrir les poissons. Voilà à quoi ressemble un peu mon quotidien. J'aime l'élevage. Malgré le fait que je suis PDG, je tiens à mentionner que je suis étudiant. Je fais niveau 5, donc j'invite également tous les étudiants qui nous regardent aujourd'hui à penser à entreprendre, parce qu'on ne sait jamais. Alors, durant votre parcours, des regrets ? Bon, honnêtement, oui. Et le fait que j'ai dû rompre avec ma petite amie de l'époque, mm-hmm. et ça a été difficile pour moi de surmonter mm-hmm. son absence. Et aujourd'hui, il est vrai que j'ai les copines comme je veux, oui. mais je n'ai pas la femme que je veux. Que les femmes ne m'aiment pas pour ce que je suis, mais pour ce que j'ai. D'accord. Si on veut bien comprendre, ça veut dire que les femmes vous aiment parce que vous êtes celui-là qui est devenu incontournable aujourd'hui au Cameroun. Bon, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense parce que depuis lors, je ne suis plus dans les relations. D'accord. Donc, occasion aussi pour informer tous les téléspectateurs que M. Tchadou l'International est un cœur à prendre. Non, c'est pas ce que j'ai dit en fait. Nous allons déposer dans la clé et sous le paillasson. C'est très important d'entreprendre, c'est très important aussi d'être conscient. À 22 ans, vous avez très bien suivi, le jeune entrepreneur à 22 ans, il a décidé de quitter sa bande. Il a aussi décidé de prendre une décision très cruciale.